Seigneur de gloire, vous êtes tout puissant. Yonde au lobby na biso katina libre ya vérité. Au lobby est sans la foi, les alliés impossibles, moto azala agréable ni biso na yo. Donc la foi yango eza boutande na otuza koyoka. Otuza koyoka yango ni loba na yo, mongongo na yo, Yesu Masia yo Nzambe. Bongo yoki sabiso bongo yango na poko ya lelo kolo. Wana osili kobongisa biso lokola mabile kitoko. Matoyi na biso pela moko ya bayekoli oyo malamu mpona koyoka yango mongongo pe kobila yango. Ya Satan nyonso oyo abongisi mpona ntina na kobongisa biso na mbonga oyo echoué au nom de Jésus-Christ. Merci pour être yo qui peut au sala et mingi surtout pour utiliser puissamment mon thé à mon colophon à communiquer biso mon canon na yo na combo na yo colo mon principe mon fils na biso Jésus Christ. Amen. Amen. Ok. Pour télévisier mon thé à mon colo et l'on va mon bon colipota pour la beauté à biso. Rien ne t'est ni souillé, rien
Acclamations, l'honneur, la louange, les apprennent à Jésus-Christ. Les acclamations, la
L'honneur et la louange sont pour Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'acclamons à tout moment. Parce qu'il est le véritable vainqueur. Hors de lui, il n'y a plus d'autre personne. Si nous voulons nous coucher, nous pensons à lui. Lorsque nous nous réveillons, c'est avec soi. Dans la journée, nous parlons en son sujet. Pendant le voyage, nous sa grande vraiment il mérite toute chose parce que l'œuvre qu'il a accomplie, personne ne pouvait l'accomplir. C'est pourquoi il faut que nous lui devons la louange qui est plus que tout. Et Dieu bénisse. Amen. Et l'autre est le 25 novembre 2021. Aujourd'hui nous savons la grâce de Dieu sur notre enseignement, les 7 sceaux d'Apocalypse. Nous sommes déjà au sixième saut, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prendre notre lecture. Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 12 à 17. Le verset 12 à 17. Et pasteur Seba Kalokola pour son abisson à Limbola. Et le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à qui n'a combonné sous Christo. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Que Dieu bénisse les lectures. Nous allons toujours dans le sixième saut par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans le sixième saut par la grâce de Dieu. On avait vu les textes qui sont dans le sixième saut. On avait pris un thème ou un titre à donner au sixième saut. Nous l'avons vu appeler la colère de l'agneau. Au verset 16. Au verset 16. Au verset 17. Au verset 17. Babengiango, les grands jours de sa colère. Mokolo monene yakanda na ye. C'est sa sixième saut. Yangonde ndanga ya motoba. Donc, isole bien sûr la colère de l'agneau. Donc, cela parle sur la colère de l'agneau. Les grands jours de sa colère. Mokolo monene yakanda na ye. Yango, tozwa ki deux passages. C'est pourquoi nous avions pris deux passages. Osée 13, verset 11. Osée 13, le verset 11. Et aussi Agé 2. Et aussi Agé chapitre 2. À partir du verset 6
10 à 9. À partir du verset 6 jusqu'à 9. Jusque là, toujours qu'exploiter dans le verset 6 dans 7. Et jusque là, nous n'exploitons que le verset 6 et 7 d'Agé 2. Et en votre temps, il y a aussi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous en faisons aussi la lecture par la grâce de Dieu. Totali Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Dans le verset 6. Dans 7. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je branlerai les cieux. Et la terre. La mer et les cieux. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Totangaki aussi, Osée chapitre 13. On avait lu aussi Osée chapitre 13. Non, verset 11. Au verset 11. Nous t'enguions encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réalisons-la encore au nom de Jésus-Christ. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Na pesakayo mon kondimoko na se akanda nanga. Je t'ai loteré dans ma fierté. Na kolongoli kayo yango akanda nanga. Donc, na kolongola kango na kanda moko makasi. Amen. Alors, ce sont des textes de joie qui. Ce sont des textes que nous avions pris. Oyo ezali kosala sixième saut. Qui constitue le sixième saut. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a koyeba koyede biso afin qu'il doit ajouter d'autres textes. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur saura nous aider pour ajouter d'autres textes. Na katia kotanga na biso tanto bani na verset 12e. Dans notre lecture, en commençant au verset 12. Il y a Apocalypse 6. D'Apocalypse 6. Tomone kitango septième saut. L'agneau a fombolé en bas. Nous avons vu lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau. Et sixième sceau plutôt. Le sixième sceau. Et allait-y un grand tremblement de terre. On dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Place où on en est aux ananas. C'est à cet endroit-là que nous sommes maintenant. Des Toulukaki. On avait cherché. Totala, la promesse pour Yosamba le Bidala, sa prophétie. Voir la promesse que le Seigneur a donnée dans sa prophétie. Naou est allé, grand tremblement de terre. En ce qui concerne le grand tremblement de terre. Tu y es dit que texte moko toujours qui aussi écriture toujours qui est dans Romains 9. Nous savons que l'on avait pris une écriture dans Romains 9. Dans verset 28. Au verset 28. Et le dit que Dieu exécutera pleinement. Zambé akoko kisaka namobi. Promptement Penalumba, tout ce qu'il a résolu de faire sur la terre. Maimanso akani kosala na mabele. Donc Zambe zana makambo ya lumba kosala na mabele. Donc le Seigneur a des choses qu'il a résolu d'exécuter sur la terre. Mais Romains 9 verset 28. Mais Romains 9 le verset 28. Bien Zambe kokisaka makambo wana na kokokabe. Et il dit que le Seigneur accomplira ou exécutera toutes ces choses pleinement. Donc, ce que tu as lu dans l'écriture de ma prophète. Donc, si tu lis dans l'écriture du prophète. Les choses qu'il a dites accomplir sur la terre. Il ne faut rien enlever à l'intérieur. Considérer en bonne égalité. Il faut les considérer tels que le Seigneur les a dit. Pour accomplir en mot pleinement. Parce que le Seigneur va les accomplir pleinement. Alors on avait marché dans AGD. Là-bas nous avions vu que AG a prophétisé. Le prophète AG avait prophétisé que le Seigneur a l'acquis à quoi branler non seulement la terre mais aussi le ciel. Que le Seigneur a promis qu'il ébranlera non seulement la terre mais aussi les cieux. À quoi branler la mer. Qu'il fait toujours dans les livres saints. Parce que Bible le dit. Parce que la Bible dit. L'esprit dans la vie d'Isaïe. Moli mon sang tu n'as qu'à ta pomme et à mon sac. Dans Isaïe 34 verset 16. Dans Isaïe 34 le verset 16. Et le dit consultez les livres de l'Éternel. Boke de kozor beaucoup yanzame pebota. Élisez. Pebotanga. Ils ont un impératif. Ils ont l'imotindo baso. Donc ils ont un ordre.
dans mon tindo, celui qui ne lit pas pêche, oyazo tangata zo sumuka, lisez botanga yango. Donc les amis tindo, donc c'est un ordre à l'impératif. Alors mis au potangi, donc si tu lis au komona atay loko moko te kosala défaut, et tu au komona atay loko moko te kozanga na makambonyo so zamba lo baki kokogisa, tout ce que le Seigneur avait dit s'accomplira. Les amis son esprit, les amis limo de quoi va rassembler les écritures, qui sera rassemblé tout les choses dans les écritures. C'est ce que Ésaïe 34, 16 nous dit. C'est ce qu'il nous dit Ésaïe 34, 16. De la même manière, tant aux autant dans AG2, de la même manière, lorsque nous lisons dans AG2, tout le monde a le dit, j'ai branlé. Nakoningisaka. Donc, à le bien, oui, et koyaka. Donc, des choses qui viendront dans l'avenir. À quoi ébranler le ciel. Il va ébranler le ciel. La terre. Ma belle. La main. Ma et mon énergie. Le 5. Et à continuer à le bien pour ébranler toutes les nations. Il continue en disant à Koningisa Bikolonio. Là, c'est l'écriture d'AG2, verset 6 et 7. Là, c'est AG2, 6 à 7. Maintenant, ton Kendaki n'a eu une autre écriture dans Hébreu 12. Maintenant, nous nous étions rendus dans une autre écriture dans Hébreu 12. Kobanana, verset 26. À partir du verset 26. Tambaki Ango par la grâce de Dieu. Nous l'avions lu par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yango Ezoui est né pour nous comprendre AG2. Et cette écriture d'Hébreux nous aide à comprendre le langage du prophète AG au chapitre 2. Lui donc. Dans la voix, dont la voix, et alors ébranla la terre. Donc, portion, donc cette portion, on prend l'événement qui s'était passé là-bas sur la montagne. Ébranla la terre. Et ningisa kala mabele. Lorsqu'il était descendu sur la montagne, à secoua la terre. À ningisaka mabele. Et qui maintenant a fait cette promesse? Mutuana siko yo asali pe la kawe. Promesse zali eloko ekoya. Donc la promesse c'est une chose à venir. Une fois encore, mbala moko lisusu, j'ébranlerai non seulement la terre, nako ningisaka kakate mabele, mais aussi les ciels. Kasi makolo. Maintenant, verset 27, je vais expliquer verset 26. Maintenant, le verset 27 explique le verset 26. Ces mots, il faut encore, maloba onde balobi mbala moko lisusu pe, indique et lingi kotali ça, les changements des choses ébranlées. Mbongwana ya makambo e ningani. Maintenant, il faut y voir quelles sont ces choses-là ébranlées. Maintenant, tu dois savoir makambuano et ninga nakawaniza nini. Parce que malobi. Parce qu'on dit changement des choses ébranlées. Koninga na makambu et ninga. Comme étant fait pour un temps. Makambuano et tia makaka pour na moi tango moko moke. Maintenant, c'est que les deux cités dans le makambu oyoyo na monene na yango oyo et tia maki pendant un temps. Maintenant, nous devons citer en détail des choses qui ont été faites ou établies pour un temps seulement. Donc, il faut dire que le Seigneur a pu ébranler. Cela veut dire que le Seigneur va venir l'ébranler. Tout la loi. Nous prenons la loi de Moïse. La loi de Moïse. Et sacerdoce lévitique. Pour un temps. Ce sont des choses qui étaient établies que pour un temps. Et Zala, Zala comme un pédagogue. Mais on me matin à Christ. Isala qui loco la mola qui si oh yazo me ma bateau et pas Christ. Bible le bien Hébreu 9. La Bible dit dans Hébreu 9. Et tiama qui pendant jusqu'à temps y a réformation y a makambonyos. Makambwani pesa ma qui kino tango mo bongo li a makambwa kuya. Oui, c'était jusqu'à Christ tangai. Lorsque Christ est venu. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que d'abord la loi. D'abord, la loi était chose ébranlable. Après, tu voyais pour le bel amour. Après, nous venons. Ni nous faisons ébranlable. Maintenant, et l'on connaît. Oui, tiens, ma pour un temps. Qui est établi pour un temps. Au condiamant, le royaume ou la domination de la terre. Ata au lobby que vous changez constitution. Même si tu dis que tu vas changer la constitution. Ata au changeant plusieurs fois. Même si tu la modifies plusieurs fois. Au goût, tu vas mourir.
Age tangi kokoma ekoli ominiti bébé. Lorsque l'âge va très avancer, tu deviendras un bébé quoi qu'il vieillard. Un roi qui ne sait quoi faire. Ce sont des royaumes ébranlables. Donc ce royaume passera. Et dans tout cela, aussi, nous voyons aussi, bien-aimés, le Seigneur a fait ce qu'il promet. Le Seigneur avait fait. Les ciels et la terre passeront. Ma colombe n'a pas belé que les cadres. Tout ce qui est au ciel, tant quand on dit l'armée du ciel, tant que balubaka ma pinga ya ma patato ya ma kolo, au besoin réponse dans Deutéronome 4:19. Tu auras la réponse dans Deutéronome 4, le verset 19. Deutéronome 4, le ciel et son armée. Ma patato ma kolo pina ma pinga na yango. Aujourd'hui Deutéronome 4:19. Deutéronome 4, le verset 19. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Veille sur ton âme. Senzela likola molema na yo. De peur que nakubanga ete. Levant tes yeux vers le ciel. Yo nakubwaka miso na mapata. Nazana verset 19 vient de Deutéronome 4. Le verset 10 de 19 de Deutéronome 4. Et voyant le soleil, ve comment na moyi. La lune, sanza. Et les étoiles. Ve toute l'armée des cieux. L'armée des cieux. Si on te dit l'armée des cieux, soleil, c'est le soleil, lune, la lune, étoile. Et les étoiles, c'est ça l'armée des cieux. Qu'il a parmi veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers les cieux. Et voyant le soleil. La lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, qui ne soit entraînée à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous les cieux, tout entier. Donc, le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles, bien aimés. C'est l'armée des cieux où nous avons en partage avec tous les peuples sans exception. Ezali mapinga ya makolo nzambe apesi mabota nyonso na se ya mapata. Ezala kutu ya mabe. Que ça soit un méchant. Ta malam. Injuste. Zamba tombolaka moyi mpona ye. Allez les adorer. Et pesami en partage avec les habitants de la terre. Et cela est donné en partage à tout le peuple sous le soleil. Ya mort le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur bien-aimé. Tango alobi kazo ébranler les cieux. Lorsqu'il dit qu'il est branlera le ciel. Cela veut dire qu'il a un programme na soukanaye. Cela veut dire qu'il a un programme à la fin. À retirer le ciel comme un livre qu'on roule. De retirer le ciel comme un livre kolongola mapata lokola. Mais au temps pour l'année malembe parce qu'il y a des gaga pour saisir bien l'enseignement. Parce que nous allons marcher petit à petit car mon souci est que tu saisisses bien l'enseignement. Awa tout est d'abord au tanga verset 27. Ici venons d'abord de lire le verset 26. Il y a Hébreux chapitre 12. De l'épître aux Hébreux chapitre 12. Oui, le misémo une fois encore. Maloba oyo mbala moko lisusu. Elini koloba indique. Bosimbaka malamu makamdeni tozo tambola. Il faut bien retenir le mot dans ces mots une fois encore indique le changement des choses ébranlées. Maloba o nauti koloba mbala moko lisusu ezali kotalisa mbongwana ya makambo eningani ya bona uti kotangana des choses ébranlées. C'est pourquoi je viens de citer des choses ébranlées. O ezali établi pour un temps. O etiamaka kapona tango moko boya. Ça c'est dans le Lévitique
ezalaki établi pour un temps. Les sacerdoces lévitiques aussi étaient établis pour un temps. Donc, tant bazolongola yango. Donc, lorsque on enlève, on note les sacerdoces lévitiques. Donc, AG2 s'accomplit. Dieu doit ébranler le ciel. Zambé sekela niki sama. Doit ébranler la. Royaume et la terre. Le royaume de la terre. Isa ébranlable. C'est ébranlable. Lorsqu'il aura besoin d'ôter cela, il faut ébranler les ciel et la terre. Christ apparaître comme Oya mettre fin à la loi. Le Christ est apparu comme celui qui a mis fin à la loi. Selon Romains 10, selon Romains dans 10, verset 4, à son verset 4. Et t'as dit ce que Christ est la fin de la loi. Christ a dit souka ya mobeko. Et comme ça qu'on mettre et lokomoko na fin na yango pour a présenter et lokomosus. Et comme il mettait fin à une chose pour présenter une autre, il faut ébranlement ça. Il faut que l'ébranlement soit constaté. Yango, c'est ça bien. Pour remarquer que le jour où le Seigneur a vécu au Koufa, le jour où le Seigneur mourait à la croix, a ébranlé les ciel. A nikisa ki mapata to makolo. Ezala ki na moyi mais a ébranlé moyi komi molili. C'était pendant le jour mais il a fait entrer le ténèbre en plein jour. Tango à rendre l'esprit. Lorsqu'il a rendu l'esprit, a ébranlé la terre. A nikisa ki mabele. Tremblement de terre. Il y a un grand tremblement de terre. Bonani. Pourquoi? Ébranlement indique le changement des choses ébranlées. Parce que dans la Bible, l'ébranlement indique le changement des choses ébranlées. Et Zalaki Pona Bolongola, loi afin que grâce soit établie. Et c'était pour enlever la loi afin que la grâce soit établie ou donnée. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Premier point de Torobaki Yamoa. C'était le premier point que nous avions. Étant toujours sur la lecture, toujours dans Hébreu 12. Et lorsque nous faisons la lecture dans Hébreu 12, en fait, quand on ébranle, tango baso ningisa, comme étant fait pour un temps, verset 27. Ah, makambo baso ningisa, etia makana boka kapona moi tango. Enfin que les choses inébranlables subsistent. Wete makambo et ningana kate. Donc si on enlève ou on change ce qui est. Donc c'est pour établir des choses inébranlables. Maintenant, awa wa Paul a dit que c'est inébranlable d'abord. Maintenant, ici Paul veut nous présenter ce qui est inébranlable. Verset 28. Le verset 28. C'est pourquoi yango wa naza toujours na Hébreux. Recevant un royaume inébranlable. Vous allez remarquer comment étaient les signes de ce royaume. Le Seigneur t'a besoin qui Saoul. Lorsque le Seigneur avait pris le roi Saoul, après a rejeté Saoul, a retiré son esprit. Après il a rejeté Saoul comme roi et il a retiré son esprit. En donc Saoul est ébranlable. Donc Saoul a ninganaka. Mais David, le Seigneur avait juré qu'il ne le lui retira pas. Azalaki et l'emboya inébranlable. Ah, il était le signe d'un royaume inébranlable et ninganaka terre. Zolanamala. Amen. Okay. David azalaki comme grâce. David était comme la grâce. Et Saoul azalaki comme loi. Et Saoul était comme le signe de la loi. Alors, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, verset 28 Hébreu 12, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Totalisa, o ezali, reconnaissance na biso na ko pesaka nzambe lo sango ezali kitoko pona ye. Comment reconnaissance en votre sang? Comment nous devons. C'est avec piété. Et avec crainte. Car notre Dieu est un fait, est aussi un fait de volant. Donc l'Église. L'Église bien aimée. Tant que le royaume inébranlable. Lorsqu'elle reçoit le royaume inébranlable. Donc c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Il faut avoir sa reconnaissance. Il doit montrer la reconnaissance. Dans la crainte du Seigneur. Dans la piété. Mais c'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui. Mais c'est Jésus-Christ que nous avons reçu. Israël a rejeté. Israël l'avait rejeté. Et les mots aussi à Jésus-Christ et Salemi n'a pas vu ma prophète béni. Et le signe de Jésus-Christ s'est accompli aussi dans la vie de plusieurs prophètes. Moïse était rejeté par ses frères. Mon savoir Kamaki n'a pas déconné. Et à Kimaki. Alors il avait fait. À Kémadian. Il s'est rendu à Madian. Kounande à Zoa Mouas. Et c'est là qu'il avait épousé une femme. Et Moïse à Zoa Sephora. Et la femme l'avait prise. Il faut qu'on mise à Zambé. Il doit commencer à. Glorifier le Seigneur. Parce que si Moïse n'était pas rejeté par ses frères, cette femme n'aurait pas non plus vu Moïse. Donc l'incrédulité à ma frère, il y a Moïse. Donc, l'incrédulité des frères gens des nations. Ah, autres avec un Dieu véritable était. Nous qui n'avions pas le Dieu véritable d'Israël. Maintenant aujourd'hui richesse. Maintenant nous avions reçu cette richesse. Richesse à présent Israël a chuté. Cette richesse c'est parce que Israël est tombé. Nous les voyons dans l'ombre. On a rejeté Sephora. C'est Sephora qui a été épousée. Esther, mon païa. Esther, l'étrangère. Esclave, qui était même esclave. Mais à quoi n'a pas les royaux. Elle est parvenue jusqu'au trône. Elle doit glorifier le Seigneur parce que Vasti s'était opposé au roi. Comme Vasti qui était la première femme du roi Assyrus. C'est sa désobéissance qui m'a donné le mariage. Donc chute à Vasti. Donc la chute de Vasti. C'est une richesse pour Esther à côté du palais royal. C'est une richesse pour que Esther parvienne au palais royal. C'est comme ça que nous comprenons. C'est comme ça que nous comprenons. Donc, Vasti était incrédule à la voix du roi. Donc Vasti était incrédule à les Juifs étaient incrédules à l'ordre que Moïse accomplit. C'est exactement aujourd'hui. Israël est incrédule. Ils s'opposent à Christ. C'est pourquoi Bissoto Yambi. C'est pourquoi nous. Les mêmes voix demeurent pour lui. Et l'ambawana moko esakaka ne longi na. Parce que c'est en Christ ne longwa. Parce que c'est en Christ que ses voiles disparaissent. Parce que c'est par Christ. Et ça dit dans Christ. Et rideau à temple et katana. Que le rideau du temple s'était déchiré. Christ. Tu refuses. Ce rideau-là du temple va demeurer pour couvrir les lettres saintes. Zola na malam. Amen. Et c'est ce que Paul a zola dans 2 Corinthiens 3. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Aujourd'hui, ils lisent la loi. Les lois basotant dans mon béco. Baza toujours l'incrédulité. Ils sont toujours sous l'incrédulité. Parce qu'ils vont rejeter Messie. Parce qu'ils ont rejeté leur sauveur. Et Zala qui a un programme pour Bisoto di Mamanalibala. C'était un programme divin afin que nous soyons acceptés dans le mariage. Le Seigneur a classé Kamana ma forme et béni dans les Écritures. Le Seigneur l'avait placé dans beaucoup de manières dans les Écritures. Ce qui est aussi juge 11. Si nous prenons juge 11. Et Zali na Jefté. Il y a un frère appelé Jefté. À Botama na Moisi Moussou qui était né d'une autre femme. Moisi wana zalaki nanda mute. Cette femme là était prostituée. Et bana Moussou aussi au bazaki nanda ko. Et les enfants de la maison. Ba Botami na Mama Moussou. Ils sont nés aussi d'une autre. Mais Bamonio sobauti et Baia Galate. Mais et tous les enfants de ces deux catégories provenaient d'un seul père. Et ma frère, et les frères, ses frères qui étaient dans la maison haïssé, ils l'ont chassé. Et Salike Abiminae a beaucoup d'années avec les gens derrière. C'est faux rien. Il s'est fait que Jephthé est sorti, est allé croiser Batoya Babati. Des gens, ces gens la ville. Il parlait de nous. Bah, rejeté dans une maison. Une maison l'a rejeté. Oui, ça y est, qui est le leur. Mais à qui beaucoup d'années avec. Mais il est allé croiser les foriens. Bah, il faut savoir. Il faut savoir bien. Israël y est azali aouti nagar. Israël provient d'Agar. Mais il faut y baguer Isaac aouti nasara. Il
faut savoir que Isaac provient de Sarah. L'obéi dans un autre cas. Comment est-ce que le Seigneur a marché avec Israël? À ce temps-là, c'est la loi qui était dans la maison. Pas la grâce. Amen. Amen. Mépriser grâce. Il pouvait mépriser la grâce. Mais la loi n'est pas respectée dans la maison. Mais c'était la loi qui était respectée. Comme femme de la maison. Mais Jephté, Azali, une semence ou outil, Ibanda, mais c'est leur frère, rien à cater. C'est une semence qui provenait de dehors, mais c'est leur frère qui est venu au milieu d'eux. De la même manière, ils avaient haï Joseph par ses frères. De la même manière, ils avaient haï Jephté. Cela veut dire que les vauriens puissent recevoir la grâce de marcher ensemble avec Jephté. Mais s'ils terminent de faire sa marche avec les gens, Israël, Israël recherchera Jephté. Ils vont désirer qu'il devienne chef. Donc il doit d'abord terminer la marche avec les gens derrière. On va les chercher pour combattre à leur faveur. Ce sont des mouvements, ils ont l'écriture pas baptême. Ce sont des mouvements qui sont dans, qui ne sont pas dans les écritures. Nous l'ayons autant qu'on va rejeter. De la même manière, Joseph, lorsqu'ils ont rejeté Joseph, ils ont rejeté richesse. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté toute une richesse. Et qui pour l'Égypte? Dans cette richesse, est allée en Égypte. Dieu bénisse. Amen. Et c'est là avec que la femme Asnat puisse être épousée. Moi aussi à Joseph. La femme de Joseph. Elle saura que moi j'étais épousée. Parce que les frères de mon mari l'avaient haï. Marche il y a Saul na David. Dans la marche de Saul et David. Et tu remarques qui? Et on avait remarqué que Saul azako luka boma David. Saul cherchait à tuer David. Mais c'était arrivé à la fin. Saul ne akufa. C'était Saul qui était mort. Donc c'est la loi de prendre fin à la croix. Donc c'est la loi qui a pris fin à la croix. Dieu à la croix a crucifié la chair. Zambe ne kulusu abaka ne kulusu nzoto. Et quant à l'esprit, tasina moli azaki vivant. Azakina, il était vivant. C'est la mort de Saoul. Neliwa ya Saoul. Donc la loi est sous Kelly à la croix. La loi a pris fin à la croix. Amen. Mais il faut y baboyolenge zamba classé makambo. Mais tu dois savoir comment le Seigneur a classé les choses. Abandina nous na l'air ya Josué. Il a commencé d'abord du temps de Josué. Tant que Josué ressent la conquête. Lorsque Josué faisait la conquête de la terre du Canaan, a délivré Jébité. Il n'avait pas délivré la ville de Jébu. Jébu qui est Jérusalem. La ville de Jébu qui est Jérusalem. Et ça dans Josué 15, verset 63. Cela se trouve dans Josué 15, le verset 63. Il faut pas l'en amalam. Il faut bien suivre, bien aimé. Josué 15. Josué chapitre 15, na verset 63. Au verset 63. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Vous suivez attentivement. Et ville où on est allé qui n'a pas gagné par Jébusiens. Attends comment on est allé Jérusalem. Cette ville n'était qu'entre les mains des Jébusiens, même si elle s'appelait Jérusalem. Ville où est allé qui héritage à Benjamin. C'était l'héritage des fils de Benjamin. Au commun on a Josué 18. Vous allez le voir dans Josué 18. Au banni d'un verset pour t'as la qui a gagné héritage à Benjamin. Parce que ces allé qui là y a ban y a Benjamin. Au temps de Josué 18. Aux huit
à partir du verset 28. À partir du verset 28. C'est là, élève Jébu qui est Jérusalem. C'est là, élève Jébu au Isabi Jérusalem. Gibeat. Gibeat. Kirjat. Kirjat. 14 villes et leurs villages. Quel fut l'héritage des fils de Benjamin? Selon leur famille. Vous voyez l'écriture? Vous voyez l'écriture, bien aimé. Maintenant, ce qu'on a dans Juge 19. Maintenant, en lisant Juge 19. Tant que les Lévites dans un temps. Lorsque le Lévite faisait son voyage, on lui a dit par son serviteur. Verset 10. Le verset 10. À la Bible. Il dit ceci. Verset 10. Lorsqu'il fut près de Jébi, Tango Bakomaki Pembeni. Dans le verset 11. Yambo Kabayi Ebu. Non, dans le verset 10. Verset 10. J'ai lu seulement. Il y a Juge 19. Le mari ne voulut point passer la nuit. Mobali a moi si wana linga ki te koleksa. Il se leva et partit. Il arriva jusqu'à devant Jébu, qui est Jérusalem, avec les deux ans battés et avec sa concubine. Là, il arrive à Jérusalem. Maintenant, dans le verset 11, il y a Juge 19. Le verset 11. Lorsqu'il fut près de Jébu, les jours avaient beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens. Dans la verset 12. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans cette ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibea. C'était les étrangers qui avaient la possession et dominaient cette ville de Jérusalem. Et les bonnes ceci l'a représenté. Le véritable Josué qui est Christ. Joshua seul est allé Christ au Massif. Lorsque tu le vois arriver sur la terre, Jérusalem c'est Israël. Jérusalem c'est Israël. À côté, il ne va pas les délivrer. À côté, quand il va les laisser sous la domination de l'Empire romain. C'est pourquoi tu vas remarquer les disciples sur le chemin de Maïs. Qu'est-ce qu'il disait? Luc 24. Parce que vous comprenez le texte de la Bible. Luc 24. Mais en ville où David a été délivré après ta troisième fois onction. C'était la ville que David était venu délivrer après avoir reçu la troisième onction. Osui Luc. Dans Luc, l'écriture est le verset 24. Dans Luc, l'écriture dit aux disciples dans le chemin. Les disciples sur le chemin. Qu'est-ce que nous allons voir dans notre marche? Nous allons voir la loi est ébranlable. Mon béko et ninganaka. Christ est ébranlable. Christ est à côté de nous. Il y a un mouvement AGD et Kokisama. Tout le monde qui a fait Kokisami, il a ébranlé les cieux et la terre. C'est pourquoi AGD s'est accompli. Christ a ébranlé les cieux et la terre. A l'ongoué la loi. Il a ôté la loi. A tient grâce. Pour établir la grâce. Et tout donné. Alors nous sommes. Est-ce que Israël a reçu la grâce? Est-ce que Israël aussi a reçu la grâce? Il y a un autre autre ça. C'est pourquoi nous montrons. Et non, il ne l'a pas reçu. Il ne l'a pas reçu. Alors nous regardons de la manière. Christ est venu délivrer. Mais a délivré Israël. Mais il n'a pas délivré Israël. Au contraire, Israël a chuté des Rosala, relèvement de plusieurs
et la chute ya bamsus en Israël. Mwana yo akosala kotele mayabatu bele pe kokwe ya batu bele na kati ya Israël. Azalaki kotele mayaba Pierre, ba Jean, ba Jacques, ba o batakami dans les chemins de Maïs dans le temple. Lorsque les disciples marchaient sur les chemins. Na bané na verset 15. Le verset 15. Yannick 24, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. C'est tout un enseignement. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'était Rome. Même politique, ils étaient entre les mains des Romains. Atabo konzi ya mabele sala ki na maboko na bangonde bazakoti ya bakonzi na kata Israël pe na ba nation mususu. Qui établissait le roi en Israël et dans toutes les nations. Et Dieu bénisse. Amen. Donc basanta ki ke mais ya sali musala meto tikali kala na muumpu. Lui il a travaillé mais nous sommes restés toujours sous la servitude. Bango bazali banane. Qui sont-ils? Israël. Et Israël les a présentés dans Galates 4. Et Israël est présenté dans Galates 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Aujourd'hui, à partir du verset 21. Nous prenons le verset 21. Dites-nous, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ah. Dites-moi, oui, vous qui voulez être sous la loi. N'entendez-vous quoi la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Oui, que comment est-ce que Balaam a soit banami balé? Koboyaka écriture. Il ne faut pas refuser l'écriture. Ce qui Paul a zoté à Abraham eut deux fils, c'est d'avoir deux fils. Si Paul prêche que Abraham eut deux fils, c'est deux fils. Azolo bandeo yo visa par rapport à éternel. Donc il parle des deux par rapport à éternel. L'éternel a qui est deux fils. Yahweh azalaka kaka na bana mi balé. Israël, Israël na biso et deux fils. Église, deux fils. Mais batunio sur banimité bazape ba fils naï. Mais les chasseurs aussi qui n'ont pas cru sont aussi les fils de l'éternel. Mais ba fils a promesse. Mais pas le fils de la promesse. Il faut comprendre la lecture des apôtres. Il faut comprendre la lecture faite par les apôtres. Donc, Moutakeli Mouto Yaza Moupagan. Donc, c'est lui qui a créé les païens qui est dehors. C'est Dieu qui l'a créé. Mais fils, il y a promesse. Mais le fils de la promesse, c'est toi. Tant pas même un fils à promesse, le Seigneur a dit Abraham. Lorsqu'on dit le fils de la promesse, le Seigneur avait dit Abraham. Dans Genèse 22. Dans Genèse 22. Donne-moi ton fils. Dans Genèse 25. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse 25. Ismaël va bengana nanda. Ismaël qu'on avait chassé il y a longtemps dans la maison. A doit apparaître dans Genèse 25. Apparaît dans Genèse 25. À combien ensemble dans Isaac? Et il vit maintenant ensemble avec Isaac. Pour enterrer Abraham. Pour enterrer Abraham. Mouvement. Ces mouvements-là. Veut dire millénium. Et Nicoloba. Millénium. Bokonti Yakoto. Explica Kako. Nous parce que pour toi, allez-moi millénium. Parce que si quelqu'un veut prêcher le millénium. Azui tablette. Et téléphone. Tablette d'iPad. Ou bien téléphone. Ou bien son téléphone. A qui la concordance. Il va dans la concordance publique. A qui la lettre M. M.
millénium. Millénium. Maintenant, le qui va verser à millénium. Maintenant, il cherche le verset sur le millénium. On va voir Genèse 25. Tu ne vas pas voir Genèse 25, tu vas le sauter. Tu vas sauter Genèse 25. La tablette ne va pas te faire apparaître. Mais c'est l'esprit qui rassemble les écritures. Parce que si mon livre qui s'accomplit, n'a pas de misère. Cela est très important. Il faut savoir. Isaac na Ismaël. Isaac. Ismaël attaque ça aussi Israël. Ismaël représente aussi Israël. Attaque ça c'est qui est charnel. Où est allé Anzoto? Bisobe tout est ça que Isaac na Galate 4. Nous aussi nous représentons Isaac dans Galate 4. Mais tout nous allons ensemble dans Souka. Mais nous serons ensemble à la fin là-bas. Parce qu'Abraham veut du programme de Dieu. Donc la mort d'Abraham, c'est la fin ou l'achèvement du programme de Dieu. Vous allez voir Isaac et Ismaël ensemble. Là, nous allons voir aussi par la grâce de Dieu. Alors nous lisons ici. Abraham est défis. Et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave n'a qui selon la chair. Et celui de la femme libre n'a qui en vertu de la promesse. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Oya sali na katza boumbo. Israël a sa liberté. Aujourd'hui, Israël n'est pas libre. C'est comme ça l'enseignement des apôtres. Il y a honnêteté avant Thomas. Pour être libre, c'est croire en Jésus. Pour la cause à la montre, on a bon somme et Seigneur qu'on dit mais la Jésus. Quand on croit en Jésus, tu es esclave. Si tu ne crois pas en Jésus, on a mon Israël a rejeté qui le Messie. Israël avait rejeté le Messie. Il y a Paul a dit c'est pourquoi Paul a prêché. Il est dans l'esclavagisme aujourd'hui. Azalina si a bon pour l'élo na banana. Suivez attentivement. Israël, c'est Jérusalem. C'est pourquoi Israël, c'est Jérusalem. Jérusalem, après Josué, et Kanaki toujours dans ma boko à l'étranger, Zaka délivré. Jérusalem, après la conquête de Cana par Josué, était toujours resté entre les mains des étrangers jébusiens. Quand est-ce que Jérusalem est délivré? Dans 2 Samuel 5. Dans 2 Samuel 5. C'est David Nazoya au sein du programme pour nous libérer. Jérusalem. C'est David qui vient faire le programme de la délivrance de Jérusalem. Selon Nézamba Klasango, selon le programme du Seigneur, la prophétie là dans la prophétie. Moni, mort à Saoul. Lorsque tu vois la mort de Saoul, c'est Christ à la croix. Ezaliwa Yesu. La fin de la loi. Souka Yomobeko. Après mort à Saoul, na simaliwa Saoulo. David a une cantique funèbre. David a sali. Sembo ya matanga. Azo yemba si Saul. Il chantait aussi je de cantique funèbre za évangile autotana. Sembo ya matanga nde sango malamo tozo kasikoyo. Ya ngonde cantique funèbre. Ya ngonde sembo ya matanga. Ya lèvre de la croix. Sale tozo tali sa lolenge la loi est prendre fin. Nous montrons comment la loi a pris fin. Et Dieu bénisse. Amen. Et après Wana, mes amis, 2 Samuel 2, Ayemi cantique funèbre dans 2 Samuel 1. David a chanté les chants de deuil dans 2 Samuel 2. Maintenant dans 2 Samuel 2, et comme les animés dans 2 Samuel 2, maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Samuel 2? Dans le verset 6e, nous prenons le verset 6. Verset 8. Le verset 8. 2 Samuel 2, verset 8. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ish-Bosheth, fils de Saoul, et les fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galade. Galade est un territoire avant Bakatsa Jourdain. Galade, c'était le territoire avant la traversée du Jourdain. Sur les Géchiriens.
sur Jisréel, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Vous voyez l'événement qui s'est passé. Lorsque Saul est mort, chef armée a Abner, le chef de son armée, n'a pris que son fils. Ya Saul, le fils de Saul, a tiré comme roi tout Israël. Il a établi comme roi sur tout Israël. On attend quoi les Alaki? Un roi oint par Samuel. Or, en ce cas-là, il y avait un roi que Samuel avait oint. David. Qui était David? Mais tant que Batomboli, moi na Saoul, mais lorsqu'on a élevé le fils de Saoul, qui a dominé sur tout Israël, Oyo a Kamba qui s'allait le monde. Né David a s'appelé Zamé, Seigneur, où irai-je? Alors David a prié Dieu, n'a qu'une wapi. Na verset premier. Verset premier. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel a dit, quel est Hébron? David les a abandonnés pour se rendre à Hébron. Hébron, bien sûr, les a moko ya ba territoire à Juda. Bien sûr, Hébron, c'est l'une des villes de Juda. Oyo Caleb a zoaki yango na Josué 14. Qui était l'héritage de Caleb dans Josué 14. Mais il faut na yo yeba. Mais tu dois savoir de ton côté que bien aimé Katia lolenge zamba tia ki makambo dans les classements des choses par Dieu. Hébron était les salamena. Le peuple choisi de Dieu parmi les nations. Hébron représente le peuple choisi de Dieu parmi les nations. Parce que l'olinga zareke na kati na bango ba rejeté. Parce que la manière il était au milieu de eux, ils l'ont rejeté. Aïe panabiso. Il est venu chez nous. Mais Israël est toujours esclave de la loi. Mais Israël est resté toujours esclave de la loi. C'est pourquoi tu vas remarquer. Il faut que Israël soit libéré de ses rois à Saoul. Il faut qu'Israël soit libéré de ses rois à Saoul. Donc le fils de Saoul encore.